Bienvenue dans l'actu du mois, c'est en direct sur Switch et c'est un mardi sur deux. Aujourd'hui, cette semaine, nous allons voir les bons gens. Comme d'habitude, on va remercier les gens qui nous aident beaucoup. On va voir les prochaines sorties et autant vous dire que pour ce mois d'octobre, il y a plein de trucs. Quoi de news, on va vous dire qu'est-ce qu'on travaille dans l'ombre. Une petite bonne nouvelle aussi que j'ai à vous annoncer. L'agenda, où est-ce qu'on se verra prochainement. Et voilà, c'est l'actu du mois et c'est un mardi sur deux sur Twitch. Et je suis Richoud, c'est moi qui vais vous présenter l'actu de ce mois-ci, ce début de mois d'octobre. Bienvenue à vous. Bonjour YouTube, bonjour. C'est maintenant qu'il faut dire bonjour. Envoyez des messages. Dites bonjour. J'ai des auditeurs, j'ai une communauté qui est pas très polie. Bonjour YouTube. Allez, on y va. Alors, dans les bons gens, nous avons 5 nouvelles personnes qui sont arrivées. Alors, on remercie Ekaterina, Nina, Metentis, Cactus, Libidine, Meringue à l'Orange, Nicolas S, Mr. Badger, Sashiro, Highway, Calwin, Purple Peignoir, Monololo, Zenigata, Yoti, Lucas D, Laurent Doucet, Thomasus, JPPJ, Johan Laurent, Kokiria Blazol, Tech Intern, Harry Lowen, Sinkyo, THD, ACI, Koali, Grimi, Nana, Jeff, Alissa, Benjamin Bandu, Melina, Cicilux, Gridet, Dugoélan, Gary, Lia et Vlad, Emilia Mazé, Yuri Charbonnel, Yann Roll, Yarn, Léo le White Lighter, Gandalf, Richoud, Stan Le Gris, Lérian, Orchidée Choucroute, Thomas L, Jean-Marie Poinsolet, Hermie Guillon, Lindex, Elana, Selatsu, Miskami, Yuki, Anya Christophe, Doc Knapp, Guillaume Capoui, Gigit, Arthur Milkier, Melitric, Purple Peignoir, Goose37SR, Fête, Goose37FR, Dafmod, Gaxune, Marie Holmes, Elmorel, Clémency et Socoline. En sachant que ceux qui sont en jaune, c'est les nouveaux, à savoir Ekaterina, Nina, Metentis, Kokiria Blazol, Alissa et Doc Knapp qui ont rejoint les mécènes, c'est les meilleurs. Merci beaucoup à vous, c'est grâce à vous qu'on existe. Vous êtes 68 personnes. À un chiffre, c'est dommage. Mais vous êtes 68. Allez, on y va. Pour les prochaines sorties, eh bien pour le coup, sachez que on est toujours dans la période de Halloween et tout ça, donc vous allez avoir des à tour de rôle horreur. La partie 2 est déjà sortie. Normalement, si tout se passe bien, vous avez la partie 3 ce jeudi. Ce dimanche sort officiellement La Mémoire Arrangée, saison 2, épisode 1. Je peux vous dire que le titre de cet épisode est Braquage et Croquette au fromage. Pour le coup, qu'est-ce qu'on va avoir prochainement? On va avoir en fin de mois le pilote. Donc c'est un épisode un peu bonus, c'est pas le premier épisode de la série, mais c'est le pilote de Inspecteur des Facs. Avec la pochette qui a fait bugger le live, c'est cette pochette-là. Et c'est la pochette officielle. Incroyable, n'est-ce pas? Et pour le coup, par la suite, prochainement, dans le mois prochain, peut-être, Châtiment. Il faudrait que j'enregistre encore pour Châtiment, j'ai dit ça il y a 2 semaines et j'ai pas eu le temps, je cours partout. Vous vous rendez pas compte, c'est dur. C'est dur. C'est dur. On continue avec les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, et ben sachez, en tout cas les auditeurs de La Mémoire Arrangée qui étaient dans les Patreons et Tipeee le savent déjà, mais on va enregistrer le 3e épisode de La Mémoire Arrangée aux Utopiales à Nantes. Qu'est-ce que c'est les Utopiales à Nantes? Qu'est-ce que c'est les Utopiales à Nantes? C'est un festival international de science-fiction et on va enregistrer dans une petite salle avec vous. Ça sera l'épisode 3. Rassurez-vous, si vous n'avez pas écouté l'épisode 2, c'est pas très grave parce qu'en fait l'épisode 2 se passe en même temps que l'épisode 3. Voilà, l'épisode 1 va bientôt sortir. Je vais essayer de sortir l'épisode 2 au moins pour les mécènes. Et l'épisode 3, vous pourrez assister et tout ça. Et ça serait très très cool de vous y voir parce que en fait moi j'y suis du jeudi au dimanche, et je fais jouer à qui je le souhaite le JDR La Mémoire Arrangée. Et dimanche à 17h30, l'épisode avec les acteurs. Et avec les acteurs, ça sera avec Dan Bergen, Waza et Chat et Arbassin qui étaient dans un épisode hors saison. Les mécènes, ça existe toujours. Ça existe toujours. Allez, on y va avec Quad News.
Eh ben, quoi de news, comme je viens de vous dire, les utopiales qui sont annoncées. Où on va être fin de mois. Arrêtez de vous taper dessus, là, les gens. Et j'espère vraiment pouvoir vous y voir, parce que c'est la première fois que, officiellement, je suis invité aux Utopiales. Alors, vraiment, je suis pas entré en mode créateur, je suis entré en mode porte de derrière, puisque j'ai fait « Bonjour, grâce à Gary, on a un JDR La Mémoire Rangée, et on peut le faire tester, parce que c'est un JDR un peu particulier, entre jeu de rôle et improvisation. » Est-ce qu'on peut vous le faire tester? Oui, venez. Oh, est-ce qu'on pourrait enregistrer un épisode en même temps? Ça serait cool. Oui, venez. Et voilà. Ça s'est fait comme ça. Voili, voilou. Je me dis que j'ai oublié de vous dire une bonne nouvelle. Donc je vais vous le dire à la toute fin. Mais je vous le dis après. On regarde l'agenda? C'est parti pour l'agenda. Niveau agenda, alors, les gens l'avaient peut-être grillé, mais il y a sur le site, en bas, il était indiqué qu'on enregistrait. Si on descend, si on descend, vous pouvez voir que c'est annoncé depuis un moment, en fait, parce qu'on est aux Utopiales, qui a La Mémoire Rangée, le 3. Alors, c'est que le dimanche soir, hein, c'est à 17h30, c'est littéralement le dernier créneau des Utopiales, mais bon, on le prend. Et pour le coup, on sera à Art to Play presque 2 semaines après. Et normalement, Art to Play, il y aura moi, Melectric et d'autres créateurs. Je vous indiquerai quand ça sera bon. J'ai pas encore toutes les validations, mais voilà. Et ça serait très cool de vous y croiser. Pas du tout. Le prochain, c'est le 15. On se verra donc le mardi 15 octobre pour la prochaine actu. Je profite de ce petit temps de fin pour vous indiquer que, je vous conseillerais de rejoindre le Patreon de Javras, genre maintenant. Ne serait-ce qu'en membre gratuit, au moins pour être inscrit. Parce que, littéralement, pendant ce journal-là, on a envoyé l'épisode 1 de La Mémoire Rangée pour tout le monde, pour tous ceux qui sont inscrits, même gratuitement. Vous inscrivez juste, vous avez l'épisode 1 tout de suite. Voilà. Il est complètement disponible maintenant pour quiconque est inscrit en tant que membre gratuit. C'est-à-dire que vous l'avez en avant-première, avant la sortie officielle de dimanche. Donc, le dimanche, c'est 6. C'est vous l'avez en avant-première de 6 jours pour l'épisode 1, effectivement. Gratuité. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout de suite. On va jouer à... Deux bières, une saucisse, effectivement. J'ai la ref. On va jouer à Supermarket Together avec les gens. À tout de suite. Gratuit, c'est moins cher que 0€, effectivement.